3, 2, 1. Here we go! Rebonjour et merci d'être avec nous pour cette dernière conférence du salon Cyclo Toulouse Occitanie. Alors la thématique qui nous réunit cet après-midi s'affiche sous vos yeux. Nous allons parler des solutions d'économie d'eau pour un tourisme durable. Une conférence pilotée par la région Occitanie et ADOC qu'on remercie pour la préparation. Qu'est-ce qu'un tourisme durable ? C'est un tourisme qui prendrait davantage en compte ses impacts sociaux et environnementaux, qui serait moins consommateur de ressources naturelles, au premier rang desquelles on peut placer l'eau. Un tourisme qui exercerait moins de pression sur les milieux et qui générerait moins de polluants. Bref, on sait qu'il y a fort à faire, mais le tourisme, ce sont aussi beaucoup d'emplois, de la consommation de produits locaux, de l'activité dans beaucoup de secteurs de la région. Ce sont 222 millions de nuitées touristiques en 2023, dont plus d'un tiers se concentre en juillet et en août. Donc les enjeux sont complexes avec l'eau, mais essentiels. Beaucoup d'acteurs du territoire s'engagent déjà dans des solutions et des technologies très concrètes visant à réduire ces consommations d'eau, et nous allons les entendre dans quelques instants. Nous allons donc accueillir sur scène pour parler de ce sujet Jean-Christophe Calvé, qui est chercheur au CNRM à Météo France. Merci d'être avec nous. Je vous conseille l'escalier du milieu. Angelika Zauermost, directrice du pôle qualité et transition au comité régional tourisme et loisirs d'Occitanie. Merci également. Jean-Michel Clerc, chargé de mission innovation, expert eau, géosciences, risques au sein d'ADOC, on l'a nommé tout à l'heure, l'agence de développement économique de la région Occitanie. Hassan Ishri, président d'Abiofor. Christian Amiel, directeur du service patrimoine végétal et environnement à la ville d'Albi. Pierre Magne, gérant de Firmus France, et Emmanuel Bobin, directeur général d'Open Tourism Lab. Notre casting est au complet. Merci à vous tous d'être à nos côtés. Précisons comme toujours qu'il y aura à la fin de cette conférence une séquence de questions-réponses, donc n'hésitez pas à noter vos interventions, même vos témoignages, pourquoi pas, et vos questions bien sûr à l'attention de nos intervenants. Et je signale également que cette conférence, comme toutes les autres du salon, est filmée et sera donc à retrouver sur la page YouTube du salon Cyclo dans quelques jours. Donc vous pourrez aussi, parfois il y a des slides, on n'a pas le temps de tout bien regarder, donc vous pourrez aller regarder ça à nouveau dans quelques jours. Pour commencer, nous allons tout de suite entendre via une petite vidéo Muriel Abadi, qui est vice-présidente de la région Occitanie et à la tête de la délégation tourisme durable, loisirs et thermalisme. Elle est accompagnée d'Éric Cadoré, je crois, sur la vidéo, conseiller régional président de la commission eau. Ils n'ont pas pu être présents avec nous. Ils l'étaient hier beaucoup sur plein de conférences. Donc, ils vont introduire cette thématique sous forme de vidéo. On les écoute. Go. Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir être présente avec vous, mais aujourd'hui, nous avons une assemblée plénière à la région Occitanie, donc avec mon collègue Éric Cadoré, qui est le président de la commission eau à la région. Donc, il me paraissait important qu'il soit à mes côtés, d'autant que vous l'avez déjà vu, puisqu'il a déjà fait deux ou trois conférences déjà lors de cet événement. Alors cet événement est important, vraiment merci à l'association Cyclo d'avoir organisé cet événement incontournable sur cette thématique importante. Donc merci à tous les intervenants également, donc Météo France, le CRTL, l'agence ADOC bien évidemment, Open Tourism Lab évidemment, toutes les entreprises qui également seront présentes. En tout cas, ce moment sera important parce que vous allez partager sur ce sujet, sur ce bien commun qui est l'eau, qui est un sujet important pour l'économie touristique. Vous savez que l'économie touristique au niveau régional, c'est la seconde économie après l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est 16 milliards de retombées économiques, directes ou indirectes, et c'est également 125 000 emplois. Et l'eau est un des facteurs importants pour que l'activité touristique soit omniprésente et en tout cas reste pérenne sur notre région tout au long de l'année. Alors c'est vrai que l'eau contribue
à l'attractivité de nos territoires. Elle contribue à faciliter les activités. L'eau, c'est un atout, ce sont des lacs dans notre région, c'est la pêche, c'est la baignade, mais c'est aussi une ressource, c'est une ressource pour le thermalisme. Vous savez que la région Occitanie est la première région thermale de France, avec 28 stations thermales. Donc l'eau est importante sur cette filière. Et c'est aussi des activités nautiques, bien évidemment, les activités de pleine nature, et j'en passe. Donc l'eau est un enjeu, est un véritable enjeu pour notre région et pour la France et notre planète en règle générale. C'est un enjeu environnemental avant tout, mais c'est un enjeu également économique et donc touristique. Voilà, vous savez que face à ces risques de pénurie d'eau, la présidente Delga et à la majorité, et notamment Eric, nous travaillons beaucoup sur ce sujet. La présidente Delga l'a rappelé il n'y a pas plus tard que 20 minutes lors de notre assemblée plénière, en précisant que justement le 8 avril prochain, elle ferait des annonces avec le préfet de région sur des solutions bien concrètes pour améliorer les... en tout cas améliorer les conditions de l'eau. C'est également un plan eau que nous avons voté donc en juin dernier, que la présidente Delga a lancé. Donc ce plan eau, c'est 160 millions d'euros, c'est 41 défis. Et dans ces 41 défis, il y a 4 défis bien précisément sur l'activité touristique. Donc c'est l'accompagnement des professionnels du tourisme sur comment économiser l'eau, comment mutualiser l'eau, comment valoriser les bonnes pratiques également de l'eau, sensibiliser également les professionnels du tourisme. Bon, voilà, donc avec des solutions et en tout cas des défis bien pratiques dans ce plan eau. Voilà, et bien écoutez, je pense que vous allez avoir des moments très riches en échange, en partage de témoignages. Et c'est cette mixité qui fait la richesse et qui, en tout cas, apportera des solutions, participera à apporter des solutions pour ce sujet essentiel pour nous qui est le sujet de l'eau. Alors, je vous souhaite en tout cas une très belle conférence et puis je vous dis à très bientôt. Merci donc par intermédiaire à Muriel Abadi et Eric Cadoré pour cette vidéo et aux équipes de la région de nous l'avoir fournie. Nous allons donc commencer ce tour de table avec vous, Jean-Christophe Calvé du CNRM. Plus tard, on reviendra sur plein de sujets qui ont été évoqués par Muriel Abadi. Mais avant tout, ce qui serait intéressant, c'est de faire un point, parce qu'on va parler beaucoup de réchauffement climatique, de changement climatique. Donc faire un état des lieux climatiques avec vous, puisque vous travaillez au CNRM, c'est le Centre National de Recherche Météorologique, qui est une unité de Météo France, hein, je crois, c'est ça. Donc, on compte sur vous, voilà, pour poser un peu l'état des lieux climatiques. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je viens en voisin, hein, puisque le CNRM est situé à quelques kilomètres d'ici. Alors, pour déclencher la présentation, je suppose qu'il faut que j'appuie. Voilà. Donc, mon rôle, effectivement, aujourd'hui, c'est de vous donner quelques éléments concernant les projections climatiques, hein, et l'effet du réchauffement climatique sur des variables très importantes liées au cycle de l'eau, telles que le couvert neigeux, les ressources en eau, les sécheresses et la végétation. Alors, je souhaiterais remercier mes collègues Jean-Michel Soubirou et Sophie Barthélémy qui m'ont fourni quelques éléments, hein, que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que le réchauffement climatique est sans équivoque. Vous voyez une figure ici représentant l'écart des températures de l'air moyenne annuelle à la station de Toulouse-Blagnac, qui est située à quelques kilomètres d'ici, par rapport à une référence de 30 ans, des années 60 aux années 80. Et donc, vous voyez qu'on assiste, hein, à une augmentation continue des températures. Alors sur cette figure, on ne voit pas les années 2022 et 2023. Si on ajoutait ces années, on dépasserait les 2,5 degrés. Voilà. Donc ça, c'est lié, hein, de manière très claire à la concentration en gaz à effet de serre, en particulier le CO2 qui augmente. Aujourd'hui, on est à 420 parties par million, alors qu'on était à 320 dans les années 60. Voilà, donc ça c'est lié, hein, évidemment, aux émissions de gaz à effet de serre. On peut agir en limitant ces émissions de gaz à effet de serre. Alors,
Pour faire des projections climatiques, on utilise des modèles de climat à l'échelle mondiale qui ont une résolution spatiale assez faible. Et on utilise des modèles régionaux qui permettent de zoomer sur certaines régions et avec des techniques statistiques permettant des corrections de biais, on peut zoomer en particulier sur la France. Alors, juste un rappel sur les scénarios. Bon, vous avez sûrement entendu parler de ça. Hein. Ce sont les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, hein, RCP. Donc, sur cette figure à droite, vous voyez, en fonction du temps, les projections en gigatonnes de CO2 par an. Sachant que dans les années 80, on commence à 20 gigatonnes. Et dans le scénario le plus pessimiste, à la fin du siècle, on arrive à 100 gigatonnes. Alors, bien évidemment, les scénarios compatibles avec les accords de Paris sont les scénarios où les émissions baissent assez rapidement. Hein, RCP 2.6 en bleu, ouais. Tout à fait, et 4.5 en orange. D'accord. Alors, concernant le couvert neigeux, donc, dans les Pyrénées, vous le savez, la neige, c'est quelque chose de très, très variable. Hein. Il peut y avoir des années avec beaucoup de neige et l'année d'après, rien du tout. Bon, voilà. Donc ça, c'est illustré par cette figure qui montre la modélisation de la neige dans les Pyrénées centrales. Donc c'est une climatologie en gris. Hein. Donc vous voyez que bon, d'une année sur l'autre, au mois de mars par exemple, le contenu en eau du manteau neigeux peut varier d'un facteur 10. Les courbes en couleur correspondent aux derniers hivers. Par exemple, la courbe en vert correspond à l'hiver 2022-2023, qui est vraiment proche du minimum, avec une fonte du manteau neigeux très précoce dès le mois de mai. Voilà. Donc, dans le futur, voici une figure qui montre l'évolution modélisée. Hein. Donc dans le scénario le plus pessimiste en rouge, hein, RCP 8.5 toujours, on voit toujours dans les Pyrénées centrales qu'on passe d'une valeur médiane de hauteur de neige qui pouvait approcher 1 mètre dans les années 60 et qui, à la fin du siècle, serait plutôt de l'ordre de 10 cm. Voilà, donc clairement moins de neige. Concernant les ressources en eau, donc ces figures correspondent à un horizon assez proche, hein, 2050. En fait, le réchauffement climatique provoque une intensification du cycle hydrologique. Ça veut dire des extrêmes, davantage extrêmes. Donc quand il pleut davantage. Et quand on a une sécheresse, elles sont plus fréquentes et plus prononcées. Donc ça, c'est illustré par ces figures, hein, centrées sur l'Occitanie, où on voit que les modèles indiquent plutôt une tendance à l'augmentation des précipitations en hiver et une diminution plus marquée en été. À droite, vous voyez que l'intensité des pluies extrêmes est plutôt en hausse, hein, dans les projections. Alors, une augmentation des précipitations en hiver, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'eau dans les sols, parce qu'il y a plus d'évapotranspiration aussi. Donc, si on traçait les mêmes cartes concernant l'humidité du sol en valeur médiane, eh bien en fait, on aurait une baisse, malgré l'augmentation des précipitations en hiver. Et c'est aussi peut-être des pluies extrêmes qui n'ont pas le temps de pénétrer dans les sols, on dit oui, parfois. Oui, il peut aussi effectivement y avoir ces éléments. Donc effectivement, quand on a des précipitations fortes, ça ruisselle vers les rivières, donc c'est ce qui est montré ici. Donc ces cartes concernent le débit des cours d'eau et en particulier les valeurs extrêmes. Donc ce qui est montré ici, ce sont des écarts par rapport à la climatologie passée. Donc sur la carte de gauche, vous voyez les très bas débits et les couleurs marron foncé indiquent 60% de débit en moins. Voilà, donc vous voyez que dans le sud de la France, en particulier dans le sud-ouest, les débits minimaux le sont encore plus dans le futur. Par contre, les débits maximaux en France ont plutôt tendance à augmenter, sauf dans les régions montagneuses, en particulier les Pyrénées, parce qu'il y a moins de neige. Voilà. Concernant les sécheresses et les vagues de chaleur, ces cartes montrent le nombre de jours secs consécutifs en été, à la fin du siècle.
Donc vous voyez toujours dans le scénario le plus pessimiste 8.5 qu'on a un signal très fort. Les couleurs rouges correspondent à une vingtaine de jours en plus par rapport hein, au climat actuel. Et si on passe maintenant... Vous pouvez revenir en arrière. Oui. Si on passe maintenant au nombre de jours de vagues de chaleur, le nombre de jours en plus dans le scénario le plus pessimiste, c'est de l'ordre de 40. Voilà. Concernant la végétation maintenant, alors je pense que vous êtes les premiers à voir ces cartes parce qu'elles sont toutes récentes. Merci. Voilà. On l'exclut. Elles viennent de des travaux de thèse de Sophie Barthélémy. Vous voyez un indicateur de sécheresse extrême des sols forestiers allant des années 2003 à 2022. Donc c'est un indicateur de sécheresse qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que c'est vraiment adapté aux arbres et on considère une couche de sol assez profonde entre 80 cm et 1 mètre. Donc on reconnaît bien l'année 2003, hein, les plus anciens d'entre nous se souviennent que ça a été une année très chaude, voilà. Mais on voit également que les années les plus récentes, à partir de 2018, sont vraiment affectées par ce genre de sécheresse. Et l'année 2022, bon, vous voyez que ça ressort énormément. On sent qu'il y a quelque chose qui s'installe. Oui, donc l'année 2022, c'est vraiment du jamais vu, parce que ça a été une année beaucoup plus chaude que la moyenne, mais aussi avec un très fort déficit de précipitations. Donc l'Occitanie, en particulier, a beaucoup souffert, donc avec pas mal de feux de forêt. Et aussi un effet négatif hein, sur la croissance des forêts et même potentiellement sur leur mortalité. Voilà, donc cet indicateur, on peut le projeter dans le temps et voilà ce qu'on obtient hein, au fil du temps. Dans le scénario le plus pessimiste, à l'horizon 2050, on voit que ce genre d'événements augmente surtout dans le sud-ouest de la France et dans le nord-est. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai en magasin là pour illustrer mon propos. Je termine par quelques liens utiles hein, que vous pouvez consulter. Et certaines figures que j'ai montrées sont issues de ces liens. C'est déjà beaucoup hein, à encaisser. Merci pour cet état des lieux. Ce n'est pas toujours facile à voir ou à entendre, mais c'est un préalable essentiel pour comprendre les enjeux qui nous réunissent et pour permettre d'objectiver le débat. On se tourne vers vous, Angelika Sauermost, du Comité Régional Tourisme et Loisirs. Vous allez nous parler de certains outils. Fort de ce constat, il faut mettre en place des outils pour embarquer les professionnels, pour qu'ils maîtrisent notamment leur consommation d'eau. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le Comité régional du tourisme travaille sur à la fois sur la promotion et la communication de la région Occitanie. Et donc, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent ainsi. Mais il y a également notre pôle qualité et transition qui, justement, va approfondir notamment toutes ces questions de comment est-ce qu'on peut amener les entreprises de la région et les territoires à s'engager justement dans le développement durable davantage. Alors avant de faire ça, effectivement, j'ai quelques chiffres sur la destination elle-même. Vous l'aviez dit déjà, 222 millions de nuitées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. C'est déjà en Occitanie. C'est une région qui est deux fois plus grande que la Belgique. Donc, du coup, il y a un impact économique très fort à travers le tourisme. Muriel Labadie a dit tout à l'heure aussi, générateur d'emplois. Alors, du coup, justement, ces 222 millions de nuitées, et ben, au niveau des hébergements, vous avez notamment près de 29 millions qui sont consommés dans les campings et 15,6 millions dans les hôtels. Mais aussi, il ne faut pas oublier tous les hébergements autres, donc les meublés, les gîtes, les hébergements non marchands aussi. Donc, effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de bien à l'économie de la région et ça fait aussi quand même un impact sur l'environnement. Alors, avec Jean-Michel, on avait animé il y a maintenant 2 ans une conférence dans le cadre des universités du tourisme durable qu'on avait organisée au niveau du CRT. Et donc, du coup, on a travaillé ensemble sur la question de l'eau. Et c'est le thème, il était le paradoxe, en fait. Le tourisme, c'est un paradoxe. Alors, du coup, je vous ai dit 222 millions de nuitées.
c'est 1% de plus qu'en 2022, alors que le stress sur l'environnement, il est grandissant. Il y a de plus en plus d'impact, on l'a vu avec vous tout à l'heure. Et donc, du coup, on est dans un paradoxe. Les touristes y viennent, malgré le fait, et vous voyez sur ce diagramme que j'aime beaucoup, en rouge, la saison 2023, en gris, la saison 2022. Eh ben, ce qu'on a constaté à travers les différentes enquêtes, c'est que, bien sûr, comme vous disiez, recul de l'enneigement, difficile saison d'hiver 2023, mais aussi difficile fin d'année. Donc, du coup, les stations de ski ouvrent beaucoup plus tard et donc ont beaucoup moins de retombées. Ensuite, en été, vous voyez là les pics les plus importants. Eh ben, avec Jean-Michel, on s'était dit, mince, c'est carrément là où il y a le plus fort stress hydrique en région. Donc, du coup, là, on maintient quand même, malgré les vagues de chaleur qu'il y a pu y avoir, ça se maintient. Donc, les touristes, ils sont là. Et donc, du coup, septembre, bon, malgré la petite pique sur le rouge, parce qu'il y avait la Coupe du monde de rugby que certains d'entre vous ont peut-être suivi, il y a quand même un mois des plus chauds presque jamais vus. Et donc, du coup, suite à une enquête auprès des entreprises, 46% ont dit que effectivement, le climat a fortement influencé quand même leur activité. Donc, on voit que la désaisonnalisation, on n'y est pas encore, ça s'annonce un peu timidement. Et alors, du coup, le CRT, justement, Comité Régional du Tourisme, on n'opère pas seul, on a plein de partenaires dans les départements, les agences de développement touristique départementales, les offices de tourisme au niveau local. Et donc, du coup, tous ensemble, depuis un moment déjà, donc ça fait 4 ans, on travaille à une stratégie globale de tourisme durable. Elle tourne effectivement beaucoup, beaucoup autour de tout ce qui est mobilité, parce que c'est ça aussi le facteur majeur qui influence. Mais ça fait 2 ans que le CRT est partenaire associé du projet What Save Reuse, et Jean-Michel va également en parler. Et donc, on attend beaucoup, beaucoup des résultats de ce projet. Là, je vais vous parler justement d'un outil auquel je crois beaucoup, peut-être parce que je suis allemande et que j'aime bien les process qualité et que j'y crois. Je pense que c'est le bon outil pour une entreprise, notamment, de se structurer, c'est-à-dire pour s'engager dans une vraie réduction. Je dis vraie, ça veut dire qu'elle s'inscrit sur la durée et puis en amélioration continue. Je crois beaucoup à tout ce qui est structuration. Premier exemple que j'ai étudié, c'est le classement. Donc le classement des hébergements marchands est donc mené par Atout France. Il y a 2 critères hauts dans les référentiels. Économie de l'eau, récupération de l'eau. C'est en quelque sorte, je dirais, le first step pour au moins savoir de quoi il s'agit, où est-ce qu'il faut qu'ils mettent les actions principales. En Occitanie, on a un peu plus de 2500 entreprises classées, et ça veut dire qu'on peut imaginer qu'ils se sont au moins posé la question déjà et qu'ils suivent. Question un peu piège, c'est quelle est la proportion à peu près ? C'est le nombre d'établissements classés, 2542, sur combien d'établissements ? Je crois qu'il y en a plus de 12 000. D'accord. Mais il faudrait que je vérifie. Voilà, avoir une idée d'ordre tout de à grandeur. Fait, tout à fait, okay. Vous avez raison. Merci. Et donc, deuxième type, donc le classement, c'est un type de démarche. Deuxième type de démarche, c'est les labels de tourisme durable. Et donc, du coup, vous connaissez tous la clé verte ou le Green Key, qui est donc très connu en France, mais aussi à l'international. Et là, les labels, en fait, vous avez des checklists où les entreprises savent, il faut que je travaille sur telle et telle et telle chose. Un certain nombre de critères sur l'eau. Donc, ce label, il travaille sur la préservation de la ressource, les équipements et les arrosages. Donc, ça commence à être beaucoup plus étoffé, beaucoup plus recherché. Donc, actuellement, 186 établissements labellisés en Occitanie. C'est un label pas évident à avoir parce que vraiment, on est aussi sur une question de fond. Il faut montrer, il faut s'engager dans l'amélioration continue.
Et un troisième type de démarche qualité, c'est le système de management environnemental. On est sur l'écolabel européen. Et donc, du coup, pareil que la clé verte, ben, ils travaillent sur les mêmes trois critères. Et donc, l'avantage aussi de l'écolabel européen, c'est qu'il y a un toolbox qui permet aux entreprises vraiment de regarder dans le détail sur tel et tel critère qu'on me demande, comment est-ce que je peux mettre en place. Une boîte à outils. C'est une boîte à outils. Mais par exemple, dans l'écolabel européen, Nautel, il est obligé de changer, ne serait-ce qu'au niveau des robinets, tous les robinets, de toutes les chambres pour être dans les robinets de type ISO, type 1. Donc du coup, c'est quand même, ils vont extrêmement loin. Il n'y a actuellement que 9 établissements labellisés en Occitanie, tout en sachant que le CRT va travailler aussi sur l'écolabel européen avec les partenaires, entre autres avec l'ADEME, qui co-finance quand même fortement l'adhésion à l'écolabel européen. Juste très rapidement, pour que vous sachiez sur quoi ces labels, c'est notamment les deux labels là qui travaillent. Donc, dans la préservation de la ressource en eau, on est beaucoup sur le suivi, la surveillance de la consommation. Alors, du coup, j'en avais parlé avec une auditrice de l'écolabel européen. Et puis, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas dire d'abord aux entreprises? Et bien, elle a dit, mesurer. Bon, elle était allemande aussi, mais elle dit que globalement, les entreprises, et ce que je ne pensais pas, mais il n'y en a pas suffisamment de suivi catégorique. Et donc, c'est vrai que les démarches qualité permettent aussi d'alerter. Impact aussi, produits d'entretien, récupération des graisses de cuisine, gestion du renouvellement du linge et des draps de bain. C'est un sacré sujet parce que là, on peut économiser beaucoup, beaucoup d'eau. Gestion aussi, optimiser des piscines. C'est vrai qu'on en a parlé là, au niveau du salon aussi, c'est un sujet. Récupération eau de pluie à travers donc, arrosage, nettoyage, WC, machine à laver. Et puis, les eaux grises aussi, réutilisation après traitement dès lors que c'est possible. Donc là, j'ai mis des petites croix en fonction des différents labels, qualité de l'eau, bien sûr, aussi, qui est suivi. Ensuite, au niveau des équipements, la robinetterie, le débit maîtrisé, la détection de fuite, ça, c'est un sujet, et les équipements économes en eau, et donc à la fois sur tout ce qui est robinet, douche, chasse d'eau, lave-vaisselle, et tout ça, bien sûr, sur des nouveaux, les nouveaux équipements. Arrosage, irrigation, on est sur, bien sûr, un arrosage de manière raisonnée, irrigation efficace. Là, on est plus dans une logique de process, où on va dire, il faut une procédure d'arrosage manuel, il faut que l'arrosage automatique soit optimisé et suivi. Et bien sûr, chose très importante, sensibilisation des clients aux éco-gestes. Et donc, du coup, avec, au sein de What Save Reuse, effectivement, il y a des films, je pense qu'on va en voir un. Et donc, du coup, c'est le challenge, il est là. Pour moi, vraiment, le côté structuration, ne pas rester seul, de s'inspirer de tout ce qui existe et de suivre carrément des référentiels, des procédures, c'est autant de choses gagnées pour une entreprise, pour s'engager. Et voilà, rejoindre en fait le club de tous ceux qui vont œuvrer pour un tourisme durable chaque jour meilleur. Avoir un cadre et des objectifs. Cadre, objectif, oui. Et mesurer, bien sûr, moi j'aime beaucoup la mesure. Et donc, du coup, juste les petits liens aussi pareil sur les trois labels, les trois démarches qualité dans le classement. Et puis, un dernier, vous voyez en jaune, le centre de ressources tourisme durable que le CRT a mis en place avec des tas de conseils, avec des bonnes pratiques partagées, des inspirations, voilà. Donc, du coup, il y a pas mal de choses et on est en train de finaliser une page aussi spéciale sur l'eau. Voilà. D'accord. J'ai deux petites questions rapides. La première, c'est celle du contrôle. Est-ce que quand on a un label comme ça, on est contrôlé régulièrement? Est-ce que ça demande d'être dans l'amélioration permanente et le maintien aussi? Oui. Alors, l'amélioration continue, oui. Bien sûr, en fonction des labels, il y a des contrôles différents. C'est d'ailleurs ce que je voulais dire, une petite frustration, parce que je ne voulais pas du tout parler de ça. Je voulais vous parler du label qualité tourisme
Occitanie-Sud de France, où le CRT est certificateur, où on a 1424 entreprises. Et ça y est, normalement, c'est un label qui va évoluer vers, justement, qualité tourisme responsable. Il s'appellera différemment, mais dans tous les cas, c'est génial parce qu'on pourrait vraiment aller et puis être complémentaire à tout ça. Dans ce cas-là, oui, un client mystère qui vient vérifier si tout va bien. D'autres, ben, c'est des audits forcément préparés parce qu'il faut beaucoup de documentation, mais c'est à des moments précis. C'est-à-dire que voilà, le contrôle fait partie effectivement de cette amélioration continue. Et deuxième petite question, on sait que les labels n'ont pas de pouvoir contraignant, à part le risque de le perdre. Le risque, c'est aussi d'avoir des professionnels qui sont déjà convaincus par la question. Comment aller chercher au-delà les autres? Je dirais presque ceux qui sont convaincus et qui... En fait, c'est pas qu'on force les entreprises d'aller dans les labels. Si une entreprise veut aller tout seul, il n'y a aucun souci, c'est son choix. Et si par contre, ben là, par exemple, Qualité Tourisme Occitanie Sud de France, on l'anime depuis 2008. Et donc, du coup, autant vous dire qu'actuellement, on ne fait plus du tout de publicité. Ils voient chez les voisins, qu'est-ce que ça fait. C'est du bouche à oreille. Quand quelque chose est efficace, eh ben, ils s'engagent. Donc, du coup, c'est chouette. C'est la force de l'exemple. Oui. La force de l'exemple. Et puis, de comprendre qu'on ne fait pas à leur place. C'est-à-dire, c'est elles qui doivent se structurer. On ne leur tient pas vraiment la main. On va les inciter. Voilà, on va leur donner, en quelque sorte, les outils qu'il faut pour qu'ensuite, ils peuvent le faire tout seuls. Merci beaucoup. On espère que ça va convaincre encore plein de professionnels. Merci à vous. Il y a des leviers, on le voit bien. Et il y a aussi des outils et des services innovants qui sont mis en place pour sensibiliser et agir sur cette question de l'eau. Jean-Michel Clerc, c'est votre sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces services innovants? Ces services innovants, l'Occitanie est riche effectivement de compétences à la fois industrielles et scientifiques, et il y a une culture effectivement de l'eau dans cette région. Les scientifiques, ça a été précisé ce matin, sont présents au sein du centre UNESCO ici Reward, et une partie des activités de spécialité sont au sein d'Aqua Valley. Alors, là-dessus, il faut bien voir que aussi le territoire bénéficie effectivement, comme l'a dit Angelica tout à l'heure, d'un programme européen LIFE, donc qui s'appelle What Save Reuse. L'objectif étant de sensibiliser les acteurs du secteur tourisme à la fois la partie économie et réutilisation de l'eau sur les trois territoires qui sont indiqués sur la carte, à la fois Baléares, Catalogne et puis Occitanie. Gros enjeux économiques, gros enjeux de l'eau, avec une bonne aide effectivement de l'Union européenne et qui finance à 55% ce projet, qui est original, hein, parce que c'est assez rare qu'on ait des projets qui portent sur cette notion de tourisme et de sensibilisation. Et les partenaires sont indiqués en bas, le leader, le coordinateur et l'Eurorégion, qui est un groupement de coopération territoriale. Et l'intérêt, c'est effectivement une coopération politique à la fois entre la Généralité de Catalogne, le gouvernement de Baléares et la région Occitanie qui est bien présente dans ce projet. Et ça, c'est un point important. On a bien un partage d'expérience entre trois territoires confrontés effectivement à du changement climatique fort avec des gros impacts. Il y a deux agences de l'eau, hein, l'agence de l'eau de Catalogne pour la partie eau, la partie Baléares également. Eurecat, qui est un centre de ressources et de technologies sur la partie plus eau et qui fait effectivement de la R&D et autres. Le Catalan Water Partnership, qui est un gros groupement de compétences à la fois industrie, entreprise et puis spécialiste de l'eau. Cliquib, qui est plus un volet cluster chimie industrielle. Donc on a un panel d'acteurs là, qui sont bien présents sur les sujets eau et qui peuvent effectivement amener des solutions diversifiées. Alors, si on regarde un petit peu, comme l'a dit tout à l'heure Angelica fort justement, pourquoi on met ce type de projet en place? C'est parce qu'effectivement, il y a un gros effort à faire, parce qu'il y a des fréquentations touristiques qui sont élevées. Pour mémoire, c'est quand même 1,6 million de nuitées touristiques au 15 août qui se rajoutent en fait à des populations permanentes qui sont présentes et des activités industrielles. Donc là-dedans, ça fait quand même une grosse demande en eau. Et aujourd'hui, effectivement, il faut agir. C'est ce qui s'est dit aussi dans la conférence de ce matin et du jour précédent. On a plusieurs publics cibles, à la fois les autorités locales, les municipalités,
l'ensemble des établissements touristiques, et ça va depuis les gîtes, les hôtels, les campings et tous ceux qui vont utiliser de l'eau, et aussi les touristes. Alors aujourd'hui, les leviers d'action, ben, on a bien cette notion de sensibilisation, hein, où il faut informer, échanger, parce qu'on n'a pas de culture du risque sécheresse en Occitanie, alors qu'à contrario, on a bien une culture du risque inondation. Et effectivement, les moyens, comme on n'a pas encore trouvé la machine à faire tomber la pluie, il faut quand même agir plutôt sur la demande. Et cette notion de mesure est vraiment importante, la notion d'anticipation et de réduire les consommations. Et on le verra tout à l'heure avec la notion effectivement de recyclage pour substituer en fait de l'eau potable par des ressources non conventionnelles. Alors, un des sujets qui a été traité, c'est bien cette notion de sensibilisation, communication, qui s'est opéré effectivement en Occitanie et aussi sur les deux autres territoires avec des supports alors qui sont soit des vidéos, soit des films d'animation au Baléares, soit des combinés à la fois supports classiques avec des goodies ou autres sur sauver, économiser l'eau. En Occitanie a été pris le parti de se sensibiliser plus au travers du numérique pour éviter effectivement des gaspillages de papier ou autres. C'est une campagne qui a été faite sur 2021 et 2023, plutôt sous forme effectivement de vidéos et là-dedans avec des messages qui ont été aussi traduits en anglais et en espagnol pour toucher un public assez large. Et la dernière campagne qui a été faite donc en août 2023, le slogan est rappelé en bas, c'est bien effectivement cette eau qui est précieuse avec cette notion d'économie. Et c'est complémentaire effectivement de ce qui a été fait au plan national, ça a été rappelé ce matin. Au niveau des collectivités, là j'ai mis la petite effiche de Canet-en-Roussillon, aussi des collectivités avec, qui ont mis des groupes d'économie d'eau, et ce qui a été fait aussi dans les établissements de tourisme. Ces campagnes ont permis de toucher en 2021 et en 2023 1,8 à 1,9 million de touristes au travers en fait, de YouTube, Twitter et autres moyens numériques. Sur l'ensemble des trois régions, ça a permis de toucher 11 millions de touristes. Donc on a quand même là-dessus un impact. Et quand on le regarde bien, si on met en œuvre ces campagnes avec effectivement des solutions d'économie d'eau qui peuvent être des dispositifs hydroéconomes ou d'autres outils, je donnerai d'autres exemples tout à l'heure, on arrive en fait à une baisse des consommations sur les trois régions là, qui ont pu être identifiées d'environ 16%. Et donc c'est quand même significatif. Et là-dessus, cette réduction des consommations d'eau, ça a aussi un impact, je dirais, financier, puisqu'on arrive, au travers du bilan qui a été fait avec nos amis catalans, en gros à 34 millions d'euros par an, au travers des mètres cubes économisés. Donc on voit qu'on a bien une dynamique qui s'enclenche et qui est positive. Là-dessus, ces campagnes ont permis de toucher, au travers aussi de séminaires d'information, quasiment 2500 hôtels. Donc on a une base qui est bien... qui est réceptive. Et les enquêtes au niveau des touristes ont également montré que les acteurs étaient favorables à cette notion de réutilisation de l'eau. Donc ça rejoint à ce qui s'est dit hier sur la notion d'acceptabilité sociale. Ben, en fait, elle y est. Les acteurs sont motivés. Alors, dans les solutions qui sont mises en œuvre, j'ai mis quelques petits exemples. Ben, ça démarre effectivement par rapport à ce qu'a dit M. Calvet tout à l'heure, cette notion d'anticiper les aléas. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a Imagéo, pour donner l'exemple, là, qui est basé à Nîmes, qui effectivement met en œuvre toutes les mesures qui sont utilisées dans le domaine de l'eau au travers des réseaux d'observation sur les eaux de surface, sur les eaux souterraines, et au travers effectivement d'agrégation de données, de calculs numériques, de recours à l'intelligence artificielle, ben on arrive effectivement à visualiser l'état des masses d'eau. Et l'élément important, c'est surtout la notion effectivement d'anticiper. Et on regarde effectivement quelle peut être l'évolution au travers de scénarios secs, humides ou franchement humides, quelle va être l'évolution des niveaux d'eau dans les ressources aquifères. C'est une vraie avancée, hein, puisqu'on arrive à se projeter quelques mois à l'avance sur quel va être le scénario, et donc ça permet effectivement au pouvoir public de mettre en œuvre des mesures d'économie. Sur le littoral, il y a également des développements de mesures pour lutter contre le biseau salé, c'est-à-dire arriver à mieux positionner effectivement l'influence, parce que quand un aquifère commence à être contaminé, ça veut dire que là-dessus, il faut mettre en place des technologies de traitement beaucoup plus élaborées,
Et malheureusement, c'est le cas au Baléares, où la notion de surexploitation des aquifères a amené quand même une dégradation des qualités des masses d'eau. Dans la suite des solutions qui sont mises en œuvre, je pense que c'est surtout la première aujourd'hui qui donne le meilleur résultat, c'est bien cette notion des compteurs intelligents, des compteurs avec un télérelevé régulier. Quand c'est mis en œuvre, ça permet à l'ensemble des établissements de tourisme, mais aussi aux collectivités, de prendre conscience de la réalité des consommations. Ça permet de voir les fuites, et je dirais dans ces établissements qui sont parfois nés des années 60, on voit que les branchements, on a aussi des ruptures liées au mouvement du sol, ça permet de les détecter beaucoup plus vite. Et là, le facteur d'eau, il est économie vraiment très important. Et je pense que c'est certainement aujourd'hui le retour d'expérience le plus pragmatique et qui donne le meilleur rapport coût-bénéfice. Après, bon, on a aussi des outils de prévision de rénovation de conduite qui sont des outils aussi très performants qui font appel à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un exemple d'outil de visualisation qui est développé dans les Pyrénées-Orientales et qui est issu effectivement d'un programme au titre du contrat de plan État-Région qui montre qu'aujourd'hui, on a une bonne visualisation des consommations. Et je vais finir ça, je vais le passer, c'est pour montrer qu'effectivement, il y a eu un inventaire des technologies qui existent, en tout cas en Occitanie, et qui sera publié, je pense, cette année, et qui sera accessible au public, parce qu'on a des solutions avec du retour d'expérience. Donc ça sera un document qui sera disponible pour tout le monde, oui. Pour consulter et prendre des idées peut-être. Voilà, et avec un annuaire, c'est-à-dire où les gens pourront se référer à des entreprises avec des coordonnées. Ça touche les piscines, ça touche beaucoup de paramètres, les analyses, tout ce qui peut être effectivement le dispositif hydroéconome. Et pour finir, je voulais montrer un petit exemple qu'effectivement, cette notion des toilettes sèches et des urinoirs sans eau, où effectivement, là, on n'a pas forcément un réseau à disponibilité. Et donc là-dessus, on peut utiliser des dispositifs qui sont aujourd'hui quand même particulièrement bien designés, parce que des fois, là, la notion d'acceptabilité par rapport à des toilettes sèches, urinoir sans eau, les gens ils doutent un peu en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, cette boîte à... Et en fait, aujourd'hui, c'est très designé, c'est très propre, il y a du gel hydroalcoolique, vous voyez que c'est percutant quand même, c'est bien tenu, c'est mis en œuvre sur des restaurants de plage, on le voit aussi en bord de canaux ou autres, ou lors de manifestations plus événementielles. Je pense que là-dedans, les chiffres sont parlants tout seuls. On le voit de plus en plus. Merci beaucoup Jean-Michel Clerc. On a plein d'idées, d'exemples dans lesquels piocher. Je vous propose rapidement qu'on fasse, vu qu'on est nombreux, une micro-pause question, s'il y en a à ce stade pour nos trois premiers intervenants. Je vois une main là-bas. Si quelqu'un peut lui amener un micro, s'il vous plaît. Ça nous permet comme ça de garder nos questions pour nos premiers intervenants. Allez-y. Oui, alors j'ai une question pour Jean-Michel Clerc concernant la consommation en eau. Vous avez parlé d'anticiper, mesurer les consommations. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a une idée de la consommation moyenne d'un vacancier en Occitanie, en particulier en saison estivale ? Alors oui, je serais tenté de dire que sur un résident de station littorale classique qui n'a pas de piscine, j'insiste bien, qui n'a pas de piscine, on va être en gros dans la moyenne nationale, des 148 litres consommés par jour et par habitant. Quand on va aller au niveau du tourisme, si on est par exemple sur un hôtel qui a une piscine ou sur un camping qui a plusieurs infrastructures hydrauliques, à la consommation du touriste va se rajouter la consommation de l'infrastructure hydraulique. Et cette infrastructure hydraulique, elle pèse aujourd'hui très lourd. Pour vous donner un exemple, sur un camping qui fait 4 ou 5 étoiles et qui a un toboggan, des jeux d'eau et une ou deux piscines, même s'il n'y avait pas de touristes, ça pèse 10 000 mètres cubes. Uniquement par l'évaporation, la mise à niveau de l'eau, la mise en œuvre des filtres. Si on regarde les consommations, donc infrastructure hydraulique, plus le restaurant, plus la blanchisserie, plus le fait qu'ils boivent, plus les spas, parce que vous avez des mobil-homes avec des spas, on démarre dans les années, on va dire, 2019, à 340-370 litres. Oui. En Espagne, on était au-dessus des 400 litres.
Et aujourd'hui, au travers de la mise en place de la métrologie, des dispositifs hydro-autonomes, de l'optimisation de la filtration sur piscine, on arrive aujourd'hui à descendre à 240-270 litres. Et on se rapproche, si on enlève l'infrastructure hydraulique, en fait, si on ne prenait que la consommation de nos touristes, on arrive en fait à se rapprocher de la consommation de l'habitat permanent. Parce qu'on dit toujours que le touriste fait moins attention. Alors, est-ce que c'est une idée reçue ? Quand on est en vacances, on va un petit peu moins faire attention qu'à la maison, on va relâcher, on se fait plaisir. Alors ça, c'est vrai, quand il y a l'enquête, les acteurs disent effectivement, on arrive, on est en vacances, on veut se libérer oui, des contraintes. Des contraintes. Et de toute manière, on est dans une infrastructure où tout est bleu, où les piscines sont appétissantes, enfin, on a des douches, tout le monde est effectivement largement content. Il y a du ciel bleu, il y a de la chaleur, donc le rapport à l'eau est bon. Là-dessus, quand on met en œuvre effectivement une information comme quoi l'eau est rare, comme quoi l'eau est précieuse, qu'on a des sécheresses, là-dessus, c'est compris. Et effectivement, avec les dispositifs hydroéconomes, on voit que la sensibilisation, elle porte. Donc là-dessus, quand on essaye de la chiffrer, c'est effectivement quelques litres à quelques dizaines de litres. D'accord. Mais on n'arrive pas à réduire le nombre de fois où les gens vont se baigner dans la piscine. Oui. Et on a des valeurs, on va dire, incompressibles. Incompressibles. Que l'être humain, il est mouillé. Le maillot de bain, il est mouillé et on n'aura pas de solution, à part qu'il se baigne tout nu pour limiter la consommation d'eau. C'est encore une autre partie de l'économie du tourisme. Est-ce qu'il y a une autre question, éventuellement, avant de continuer avec nos autres intervenants ? Sinon, on aura encore un deuxième temps tout à l'heure. Alors, on continue. Nous allons découvrir un autre outil qui, je crois, était mentionné dans votre liste. C'est celui du carnet sanitaire. Avec vous, à Saint-Nicherie, présentez-nous de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Bonjour, Hassan Ishri, je suis biologiste, santé et environnement et en même temps auditeur, expert judiciaire dans le domaine de l'eau. Là, la solution que je vous propose, c'est le fruit de 30 ans d'expérience et surtout toutes les difficultés que j'ai vues dans les entreprises. On leur dit, faites l'économie d'eau, mais le chef d'entreprise ne sait pas par quel bout prendre le dossier. Donc, il a besoin de conseils, il a une bonne volonté, il a envie d'y aller, mais seulement... Par où ? Donc là, j'ai monté, si vous voulez, avec mon équipe, une plateforme où c'est un canevas qui va aider le chef d'entreprise où, au fur et à mesure de son besoin, de ses départements, il va aller faire son projet d'économie d'eau, d'innovation, réutilisation de l'eau. Que ce soit dans le domaine de l'eau potable, que ce soit dans l'eau chaude sanitaire, puisque c'est le premier dossier en France, c'était les problèmes d'eau chaude sanitaire avec la gestion du risque légionnaire dans les années 2010. Et à ce moment-là, le législateur a demandé le carnet sanitaire papier. Donc on avait des tonnes de papier qu'on mettait à la cave et on laissait couvrir de poussière. Derrière la réutilisation des piscines, maintenant ça devient un point crucial. Et avec les projets Reuse, on a attendu 20 ans pour avoir la réglementation. Et le gouvernement au 31 décembre 2022-2023, il a pondu toutes les lois d'un seul coup. Ce qui fait qu'on a besoin d'accompagner, si vous voulez, l'entreprise dans sa démarche. À Biofort, c'est la suite de mon métier d'ancien directeur biologiste de Biofac, que j'ai vendu à un grand groupe. Depuis 1995, formateur, enseignant universitaire, expert judiciaire dans le domaine de la santé et environnement, et surtout l'accompagnement à la prise en compte de l'environnement dans la gestion de l'économie de l'eau. Formation, conseil, tout à l'heure on parlait de l'audit. Oui, on peut monter des dossiers d'audit pour accompagner l'entreprise à mieux porter son projet, voire aussi accompagner une start-up qui va faire un projet d'innovation de reuse, mais elle ne sait pas par quel canevas y aller. De point de vue réglementaire, je vous fais grâce de toute la litanie des textes. Ceux qui veulent pourront aller chercher. Un seul suffit, c'est celui de 2010, où là, on a tout un canevas de postes à respecter. Je prends un seul, puisqu'on parle de perte d'eau, fuite. C'est depuis 2010, on nous demande d'avoir un plan de réseau, un plan de travaux. Deuxièmement, contamination à l'intérieur du réseau, il n'y a pas de disconnecteur. Sur à peu près 9 expertises sur 10 que je fais dans les campings, vous trouvez un réseau sans disconnecteur. Vous avez la liaison de l'eau potable avec les RIA pompiers en continu. Donc ça, c'est le carnet sanitaire numérique. Le carnet sanitaire, je l'ai conçu qu'il soit standard. C'est-à-dire, quel que soit le métier, on doit avoir les mêmes données.
Actuellement, on parle, si vous voulez, de loisirs camping-hôtel. Ça peut être aussi les collectivités, des piscines publiques, les bâtiments ou autres. On parle de gîtes et résidences. C'est le même raisonnement. Depuis 2010, on a commencé à travailler sur les CHU, les cliniques, les maisons de retraite. Ben, il y avait de gros problèmes, d'hécatombes, de morts de personnes âgées, de légionelles, légionellose. Donc, automatiquement, depuis 2010, l'ARS traquait la notion de présence ou non de carnet sanitaire. Mais c'était des tonnes de papier. Et quand je faisais une expertise, je ne trouvais aucune traçabilité. Il faut aller les chercher à la cave. Je passe sur l'industrie. Je prends deux cas de clients. J'ai un grand verrier. Quand on a discuté il y a 3 ans, disant il faut mettre le carnet sanitaire, il m'a dit, tu rigoles, l'eau, c'est pas cher, hein, c'est 50 centimes le mètre cube. Mais l'année dernière, il m'a appelé, vite, vite, un carnet sanitaire, parce que ma ligne de production a fermé, parce qu'il manque d'eau, et je perds 1 million d'euros par mois. Donc l'économie, maintenant, est rentrée, non pas le prix de l'eau, mais le prix de manque d'eau. C'est ça, le carnet sanitaire. On va prendre, par exemple, l'embouteillage. L'année dernière, on a travaillé sur une cave. Je vais vous inviter à mettre votre micro un tout petit peu plus près de la bouche, parce que je ne sais pas si on vous entend bien. Si. Au niveau des embouteilleurs, ils avaient à économiser 17 millions de litres par an. Donc le carnet sanitaire a été le canevas. Comment faire les démarches, comment contacter les collectivités, comment chercher les scientifiques, les auditeurs, et quel type d'économie. Et là, je vais essayer de gagner du temps. La transition entre le carnet sanitaire papier et numérique, je vous ai tout à l'heure dans mes expertises, quand on avait un dossier où le procureur me demandait d'aller voir une entreprise ou accompagner, j'ai des tonnes de papier à la cave, donc des crottes de souris. Donc je n'ai pas de traçabilité documentaire et le chef d'entreprise se trouve en difficulté. Il n'a rien à prouver. Il ne peut pas prouver le travail qu'il a réalisé. Et c'est du bon travail en plus. Donc ici, deuxième chose, quand le directeur, actuellement, qu'est-ce qu'on a comme carnet sanitaire? Vous avez un document qui est sorti par l'ARS. On enregistre les analyses au bord d'une piscine, mais il n'y a aucune approche globale de la qualité, de l'hygiène, de la protection des salariés, protection des baigneurs et de l'environnement. La dominante environnementale jusqu'à maintenant n'était pas prise en compte. Là, on a un canevas et chacun doit suivre, si vous voulez, un processus pour arriver à une réponse globale. Le numérique va nous aider aussi à ce que le personnel de l'entreprise se parle. Le directeur a une vision, si vous voulez, à distance de ce que font ses collaborateurs. La secrétaire va regarder sa partie. Le technicien, jusqu'à maintenant, il ne se parle pas. Maintenant, c'est une offre plateforme où les gens vont se parler, chacun a sa partie et vont échanger. Il est composé, il va évoluer vers 2 autres modules, 6 modules. Le module bâtiment, la structure fixe. Quel est le réseau intérieur? Comment économiser l'eau? Comment gérer l'énergie et les déchets dans le bâtiment? On va partir sur le 2e module, formation, habilitation du personnel. Je prends l'exemple d'un camping. Quand vous avez du personnel embauché 15 jours avant d'ouverture des piscines, il n'a pas une formation, il n'a pas d'auto-formation. Je prends l'exemple où je me suis trouvé des dossiers solides, c'est le dossier risque chimique au bord d'une piscine. La formation, si vous voulez, risque chimique, stockage des produits chimiques. Je prends de l'autre côté le réseau intérieur. Maintenant, depuis 2022, le chef d'entreprise a une obligation d'avoir un inventaire, un suivi, gestion de fuite d'eau. C'est 20% de perte minimale. L'économie, elle est là. Au niveau de l'analyse de l'eau, qualité, quantité, depuis 3 ans, on travaille sur le rétro-lavage des filtres des piscines. Un grand gisement. Et après, je répondrai à des questions, si vous voulez. Maintenant, quel que soit le métier, est-ce qu'on peut faire des économies d'eau? Est-ce qu'on peut transférer l'eau qu'on a récupérée au bord d'une piscine, la laver, la nettoyer, la transporter pour les espaces verts? De l'autre côté, la qualité. Là, le carnet sanitaire, c'est une approche globale sur la qualité. Surtout, on met en place pour le chef d'entreprise tout un ensemble de systèmes documentaires où il va piocher ce dont il a besoin pour accompagner ce projet. Le carnet sanitaire, j'étais interpellé à un moment donné, camping, submersion, puisqu'ils sont dans la bande des 300 mètres, élévation d'eau, incendie, dégâts des eaux, et le chef d'entreprise n'a plus de documents.
n'ont plus une traçabilité. Je me suis retrouvé avec un chef de camp, directeur de camping. J'ai demandé la convention du préfet, la quantité d'eau analysée. Il m'a dit, mon pauvre, j'ai un incendie, j'ai plus rien. Donc, il faut refaire toutes les démarches. Alors que là, c'est une plateforme web. En 2 heures, on reconstitue tout. Je vais juste aller vite. Centralisation, planification. Et surtout, il y a des protocoles d'accompagnement, de formation, pas à pas, avec des copies écran pour que l'entreprise puisse gérer son carnet sanitaire et son processus de traitement de l'eau. Je vais aller juste sur le financier, parce que de toute façon, il faut parler finances. Donc, le carnet sanitaire va être une source d'économie d'eau. Je prends l'exemple des légionnelles. On met en place des modèles analytiques pour que la personne n'ait pas de recontrôle d'analyse. Parce que la personne va faire les analyses, il n'a pas de conseil. Le laboratoire industriel, j'étais laboratoire, donc je connais la question. À 6h du soir, on nous appelle, j'ai des résultats anormaux, qu'est-ce que je fais? Donc là, maintenant, il a des outils, il a un résultat normal. Voilà la procédure, voilà l'instruction. Tu refais pas l'analyse. Et là, sincèrement, on peut économiser 30% de frais d'analyse. C'est énorme. Il y a des tutoriels aussi pour qu'on économise du personnel, pour libérer le personnel à autre chose. Les analyses au bord de piscine, dès que la personne avec son téléphone a fait l'analyse, s'il y a un résultat anormal, le directeur, le responsable technique est en live, en direct. Donc c'est un outil global qui permet de regarder un petit peu tous les pôles de l'eau. Est-ce que juste très rapidement, vous avez un exemple d'entreprise qui aurait économisé de l'eau matériellement avec cet outil qui aurait détecté soit une fuite, soit un problème? J'en ai plusieurs. Une, par exemple, un camping pas loin de Béziers, ou rétro-lavage. Si vous voulez, rétro-lavage, on a économisé à peu près dans les 12 000 litres d'eau, c'est-à-dire 12 mètres cubes minimum, si vous voulez, sur un filtre, sur les 7 filtres. On a fait un essai, on a changé le média, on a mis, si vous voulez, un autre média, et on a regardé le protocole de lavage des filtres, le temps de surveillance pour que la personne, au moment où il filtre, où il lave son filtre, il ne va pas téléphoner, il ne va pas fumer une cigarette. Donc on a remis tous ces protocoles-là. On a fait autre chose aussi, récupération d'eau au niveau du mobil-home. Il y a un projet actuellement en cours, comment récupérer l'eau des lavabos, des douches, pour les WC, voire aussi avec un traitement approprié, ça va aller vers l'espace vert. D'accord. Donc il y a plein d'exemples possibles de... Énormément. Et de, surtout de résultats. Très concret. Merci beaucoup. On va aller maintenant du côté d'Albi avec vous, Christian Amiel. Le tourisme, c'est évidemment des villes accueillantes, agréables à vivre. C'est un peu la contrainte, enfin pas la contrainte, mais l'attendu des touristes. Et cet entretien, il nécessite de l'eau. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour réduire votre consommation? Bien. Donc, vous connaissez, j'imagine, Albi. Albi, qui se situe à 75 km de la ville de Toulouse, côté est. Et nous avons actuellement, jusqu'à présent, à peu près 800 mm de pluviométrie par an. Et pour vous dire qu'en 2022, nous avons eu des températures allant jusqu'à 40 ou 42 degrés. Donc nous avons des étés parfois relativement chauds, voire très très chauds. Et j'ai pu constater depuis quelques années que la pluviométrie se localisait plutôt sur les fins d'année, à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mai. Donc il arrive souvent qu'à partir du mois de juin, juillet, août, septembre, voire octobre, nous n'avons peu ou pas de pluviométrie. Donc Albi est une ville touristique avec le classement de la cité épiscopale en 2010, qui aujourd'hui nous avons 1 million à peu près de visiteurs par an. Et il faut noter que dès le classement de la cité épiscopale à l'UNESCO, à partir de 2010, les années qui ont suivi, c'est à peu près 30 à 35% de touristes en plus. Donc c'est une demande accrue qui est pas négligeable pour une ville qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément touristique. Et aujourd'hui, nous avons un tourisme régulièrement, tous les ans, mais nous avons aussi du tourisme d'affaires. Alors, nous, sur Albi, nous participons au label Ville et Village Fleuris depuis 2002, auquel nous sommes classés 4 fleurs. Donc, nous avons une attention particulière sur l'entretien et la qualité des jardins publics. Notamment, nous avons 2 jardins classés jardins remarquables, qui sont également donc labellisés, avec un certain nombre de squares et de petits jardins qui sont effectivement arrosés tous les ans.
Alors, l'arrosage des jardins, outre les labels, outre le fait d'accueillir, d'accueillir des touristes, c'est un sujet qui peut faire parfois polémique auprès des Albigeois. Notamment pourquoi ? Le constat, c'est que, par exemple, quand je suis arrivé en 2007 dans cette collectivité, nous avions une dépense annuelle de 80 000 euros d'eau pour l'arrosage des jardins. Alors, il faut savoir que ces 80 000 euros font partie du service du jardin que nous payons au service des eaux. C'est-à-dire que l'arrosage des jardins dans les collectivités n'est pas gratuit. Hein, c'est-à-dire que même entre services, en gros, d'autant plus que le service des eaux est une régie autonome, on ne se fait pas forcément de cadeaux à ce niveau-là. Donc c'est quand même un chiffre qui m'a vraiment interpellé et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir autant un budget aussi élevé pour arroser des jardins. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux, car dès à présent, je sentais bien que la ressource en eau était ou deviendrait une problématique. Donc à l'époque, ce n'était pas un sujet, la gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'on arrosait systématiquement les jardins, on ne se posait pas forcément beaucoup de questions, mais donc on payait simplement à la fin de l'année ce qui était dû au service des eaux. Donc j'ai souhaité justement engranger un certain nombre de travaux pour réduire cette facture d'eau. D'autant plus que même s'il faut avoir des jardins qualitatifs, verdoyants, peut-être un peu moins verdoyants maintenant pour l'aspect touristique, les Albigeois sont peut-être moins d'accord. D'autant plus que depuis quelques années, lorsque vous avez des arrêtés d'interdiction d'arrosage, le public ne comprend pas très bien pourquoi la collectivité a le droit d'arroser et pas les Albigeois eux-mêmes. Alors, on peut prévaloir que nous avons des jardins patrimoniaux remarquables, etc. Très bien. Mais parfois, lorsqu'il s'agit d'arroser un rond-point ou des espaces verts dans un quartier, ce n'est pas la même histoire. C'est beaucoup plus difficilement défendable. D'autant plus que l'eau d'arrosage dans les réseaux, aujourd'hui, chez nous et dans beaucoup de collectivités, eh bien, c'est de l'eau potable. Qui plus est, donc, c'est vraiment un sujet qui peut être très, très crispant. Je vous en parlerai tout à l'heure. L'eau brute sert à arroser les arbres uniquement. Mais l'arrosage des espaces verts, comme vous voyez un peu partout, c'est de l'eau potable. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à travailler en ce sens ? Tout d'abord, on s'est dit qu'il faut vraiment changer un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il faut travailler davantage en lien avec les informations météo, en termes de programmation, en termes d'études de l'évapotranspiration potentielle, en termes de matériel utilisé. Nous sommes passés des asperceurs, comme vous avez vu sur la diapo précédente, à l'arrosage par goutte à goutte. C'est-à-dire que c'est des tuyaux que l'on déroule dans les massifs, dans les jardins, et qui débitent un certain nombre de quantités d'eau. Mais l'avantage de cette technique, ça permet d'apporter l'eau vraiment au pied des plantes. Il y a très très peu de ruissellement, il y a très peu de pertes, il y a très peu d'évapotranspiration. C'est-à-dire que l'eau est apportée 2-3 fois par semaine au pied des plantes sur toute une journée, sur des séquences de 5 à 7 minutes. Donc c'est relativement peu, tout simplement parce qu'on apporte l'eau au pied de la plante et le système racinaire en bénéficie tout de suite, plutôt que avec des asperceurs d'arroser complètement les surfaces. Alors les asperceurs, on en a toujours, hein, mais les asperceurs aujourd'hui, eh bien, au lieu d'avoir des pelouses verdoyantes, on a des pelouses qui sont mi-sèches ou un tout petit peu vertes, mais elles n'ont plus la couleur fluo qu'elles pouvaient avoir il y a une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, les pelouses, là aussi, ont évolué et de plus, sans avoir de traitement chimique pour faire des traitements sélectifs et avoir un gazon anglais, aujourd'hui, on se contente de ce que l'on a, hein, avec beaucoup de chiens dents. Donc on arrose peu ou on arrose beaucoup moins ces surfaces comme on le faisait par le passé. Et donc, il a fallu changer les pratiques. On a changé le matériel, mais il a aussi fallu changer des pratiques, hein, auprès des agences. C'est-à-dire que la première des choses, c'est supprimer tous les réseaux qui étaient inopérants, qui étaient défectueux, qui n'étaient pas... il a fallu recenser toutes les surfaces qui n'étaient pas nécessairement utiles d'arroser. Et donc, on a fait vraiment tout un travail d'inventaire. Avec notamment, comme sur la diapo, le fait de dégager bien les arroseurs, de façon à lorsque l'arrosage se met en marche, eh bien,
ils puissent véritablement arroser correctement plutôt que d'avoir des geysers ou alors des fuites au niveau des arroseurs. Donc il y a tout un tas de travail qui a été fait, d'inventaire, de savoir ce qu'il fallait arroser, ne pas arroser. Aujourd'hui, on privilégie plutôt les espaces fleuris, qui ont diminué aussi sur l'ensemble du territoire de la ville. Ces espaces fleuris ont diminué. Mais ceux que l'on a, ceux qu'on a gardés, on les arrose, mais on les arrose différemment. Donc soit avec le goutte-à-goutte, comme je vous ai présenté, mais on essaie aussi de relever, chose qui est très importante, à la consommation de l'eau. Parce qu'on s'aperçoit que parfois, les jardiniers, à tort, avaient le sentiment d'utiliser des réseaux d'arrosage automatique et ils se cachaient derrière l'automatisme en pensant que ça fonctionnerait, qu'il n'y aurait pas de difficultés. Mais en fait, il y a des difficultés. C'est-à-dire que si vous avez des dégradations, si vous avez une anomalie sur le circuit, ben, la machine, le programmateur, il déclenche l'arrosage et parfois, c'est de la perte d'eau totale. Donc, je dis que l'arrosage n'est jamais automatique, il est semi-automatique. Il faut absolument que le jardinier puisse avoir un œil sur les réseaux de façon à intervenir très rapidement en cas de perte d'eau, en cas de fuite, en cas de dysfonctionnement quelconque. Nous travaillons aussi beaucoup avec un outil, avec des sondes tensiométriques. Alors ces sondes tensiométriques, notamment, elles sont utilisées pour l'arrosage des arbres. Ce sont des sondes qui sont installées au pied des arbres qui viennent d'être plantés, qui sont là pour une période de 3 à 4 ans maximum. Et en fait, ces sondes, elles sont situées à différents niveaux de la fosse de plantation et elles permettent de déceler le taux d'humidité, mais aussi, ce qui est important, le taux de croissance du système racinaire des arbres. Et donc, on s'est aperçu avec cette tensiométrie que par le passé, on a apporté trop d'eau au pied des arbres et trop fréquemment. En conséquence, le système racinaire des arbres est resté dans sa zone de confort parce que chaque fois on y a amené de l'eau toutes les 3 semaines par exemple, et donc il est resté dans sa zone de confort, dans sa zone suffisamment humide, et les racines n'allaient pas prospecter ailleurs voir ce qui se passait. Aujourd'hui, avec ces sondes tensiométriques, il arrive que les arbres perdent les feuilles, ou les feuilles, on a l'impression qu'elles flétrissent un petit peu, mais pour autant, on n'arrose pas. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, on s'aperçoit que les arbres se mettent en sécurité parce que les températures sont trop importantes et que l'arbre va éviter de transpirer pour s'économiser. Mais pour autant, il y a toujours un peu d'humidité dans le sol qui va permettre à l'arbre de vivre. Et surtout, cette humidité dans le sol, le fait de ne pas l'apporter davantage, va inciter l'arbre à développer son système racinaire en profondeur. Donc, avec ce système de tensiométrie, en fait, on fait moins d'apports et moins souvent. Et lorsqu'on fait des apports, on nous indique clairement et précisément la quantité d'eau à apporter. Parfois, c'est 60 litres, parfois, c'est 80 litres ou 100 litres. Et donc, nous avons équipé nos cuves d'arrosage d'eau brute avec un compteur. Donc, chaque fois que nous arrosons un arbre, eh bien, on apporte la quantité d'eau qui nous est indiquée. Mais ce qui est très important, c'est que par ce système-là, je le répète, mais on incite les arbres en fait à aller chercher, à les puiser, à développer son système racinaire, plutôt que de les garder dans des zones de confort où 10-15 ans après la plantation, eh bien, le système racinaire ne se serait toujours pas assez développé pour être en autonomie. Sur d'autres pratiques, j'ai parlé des arbres, mais aussi sur, je vous ai parlé des gazons, mais c'est la même histoire. Hein, le végétal, il est comme tout le monde, hein, il va chercher la facilité. On avait pour coutume, et encore beaucoup de personnes ont pour coutume, d'avoir des gazons, disons, plutôt anglais, et donc, ou de golf. On a plutôt envie de tondre extrêmement ras parce que c'est joli, parce que on a des critères qui sont propres à chacun. Mais il faut savoir que plus on tondra des gazons qui ne sont pas adaptés à des tontes rases, eh bien on a un système racinaire qui est quasiment absent. Donc si le système racinaire est s'il est absent, eh bien au moindre déficit hydrique, eh bien, vous avez un gazon qui jaunit. Donc là, nous au contraire, on va essayer d'utiliser des gazons les plus appropriés qui résistent davantage à la sécheresse, mais surtout on va leur laisser une surface végétale assez importante.
Il faut savoir que dans une plante, le volume aérien, il faut s'imaginer qu'on a à peu près la même chose au sous-terre. Donc plus vous coupez court dessus, et moins vous avez de racines, et inversement. Donc là, on essaie d'arroser avec parcimonie, et puis surtout d'augmenter les hauteurs de coupe de façon à inciter le gazon, là aussi, comme les arbres, à développer son système racinaire. Et ça, culturellement parlant, même pour les jardiniers, c'est pas évident. Il a fallu quelque peu se battre pour fixer les tondeuses à hauteur de coupe maximale, etc. Parce que voilà, les habitudes font qu'on a envie de redescendre les hauteurs de coupe. Et là, sincèrement, il a fallu vraiment presque se fâcher pour pouvoir imposer les pratiques et modifier les pratiques. C'est le plus compliqué, modifier les pratiques, parce que chacun a, quel que soit le métier, j'imagine, mais on a tous des pratiques et des habitudes qu'il est parfois difficile de tordre le cou, et c'est le plus compliqué. Donc du paillage aussi. Alors le paillage, c'était une pratique qui était peu ou pas utilisée. Aujourd'hui, on récupère ce qu'on appelle le broyat de branches qui était issu de l'élagage. On récupère à peu près un peu plus de 2 mm cubes de broyat qui est réutilisé systématiquement sur tous les espaces verts. Donc à différentes épaisseurs, ça permet de garder l'eau, d'apporter de la matière organique, d'éviter que les plantes adventice ne se développe. Aujourd'hui, ce n'est que du positif, que des bénéfices. Et on utilise même les déchets de tonte sur des hauteurs moindres, à moins de 5 cm. C'est un excellent paillage qu'il ne faudrait pas jeter, c'est-à-dire je vous invite à garder vraiment les déchets de tonte, à les réutiliser sur place, ce qu'on ne fait pas assez encore. Et puis ensuite, pour terminer, tout cela n'a pas été possible sans la formation des agents. Là, il a fallu former les agents régulièrement, identifier des personnes référentes dans chaque équipe, de façon à ce que ce suivi de la consommation d'eau soit rigoureux, pertinent, et qu'il puisse se faire sur du long terme. Je ne vous ai pas parlé des bassins et fontaines. Je gère depuis 2020 l'ensemble des bassins et fontaines de la ville. Aujourd'hui, nous avons 14 bassins et fontaines. En 2020, on avait 29 000 euros de dépenses d'eau sur les bassins et fontaines. Les bassins et fontaines, aujourd'hui, la plupart de ces installations sont en cycle fermé. Mais pas toutes. Les vieilles bassins ou les vieilles fontaines, parfois, vous avez des cycles, vous avez les jets d'eau, ben, tout ça se repart à l'égout. Donc, on a modifié certains réseaux. On a créé des bâches de récupération d'eau. Et surtout, au cours de l'été, même avec des bâches de récupération d'eau, on a stoppé des fontaines qui se situent, par exemple, en plein milieu d'un carrefour de rond-point, qui n'apportent pas une plus-value sur un espace de square ou d'un jardin. Donc tous ces espaces-là, même sur bâches d'eau, il faut ramener de l'eau parce qu'il y a beaucoup d'évapotranspiration. Donc sur les périodes estivales où il fait extrêmement chaud, on arrête l'utilisation des fontaines. Merci beaucoup. Je suis obligée de passer la parole pour la suite. Merci beaucoup. Mais on voit qu'avec quelques petits changements de pratiques et d'habitudes, on peut beaucoup changer les choses en termes d'eau. On passe la parole à Pierre Magne dans le domaine du recyclage des eaux grises. Expliquez-nous ce que vous faites dans le tourisme avec cette technologie. Oui, bon alors je m'appelle Pierre Magne, donc je suis le responsable de la société Firmus, société basée en Occitanie, aussi de la société ABG de WRS dont je vais vous parler. Donc on fait du recyclage d'eau grise. Qui est fortement une activité qui est fortement aussi impactée par l'activité touristique. Alors les eaux grises, c'est une terminologie qui commence à rentrer dans le langage courant. Ce sont les eaux qui proviennent des douches, des lavabos, des lave-linges, des piscines et des hammams. Donc nous, on a un savoir-faire reconnu et prouvé, je vais vous expliquer pourquoi, pour les traiter et permettre de les réutiliser sur le lieu où elles étaient produites. Donc c'est de la vraie économie circulaire intégrée pour des usages qui ne nécessitent pas d'utiliser de l'eau potable, à savoir, bien entendu, les chasses d'eau, le lavage des sols, l'arrosage, mais aussi, et on le fait, je vais vous expliquer pourquoi, les réutiliser pour les douches, les lavabos, les lave-linges, les piscines ou les hammams. On peut associer à ça une récupération d'énergie, puisque les eaux grises, quand elles les collectent, elles ont une température moyenne de 25 degrés. Cette température, elle est conservée avec notre traitement, qui est basé sur des techniques membranaires, et on peut récupérer cette énergie fatale pour la réutiliser sur site, par exemple pour faire du préchauffage d'eau chaude sanitaire, ce qu'on a déjà fait. Donc
Pour développer ce procédé, notre savoir-faire, il vient de la société Firmus, basée en Occitanie, qui travaille dans des domaines beaucoup plus larges sur le traitement d'eau, essentiellement à base de techniques membranaires. On travaille dans l'industrie chimique, on fait du traitement de lixivia, on fait de la potabilisation, on travaille aussi beaucoup de l'hydrométallurgie. À l'intérieur de cette société, il y a un savoir-faire spécifique sur le recyclage des eaux grises qu'on a décidé de transposer au travers d'une société dédiée qui s'appelle FGWRS, qui veut dire Firmus Grey Water Recycling System, qui elle est basée à Monaco. Alors pourquoi Monaco? Parce qu'en fait les associés majoritaires des deux sociétés sont des personnes physiques monégasques, ce qui nous a facilité l'implantation à Monaco, et aussi parce que Monaco nous a beaucoup aidé pour déployer cette technologie et montrer son efficacité. Donc en fait ce savoir-faire il est parfaitement maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'il a été mis au point en région Occitanie par notre directeur technique sous d'autres couleurs, qui était celle de Technomembrane, un centre de transfert de technologie lié à l'Institut européen des membranes de Montpellier, dans le cadre de programmes de recherche pour l'Agence spatiale européenne. L'objectif étant de recycler les eaux pour les vols spatiaux de longue durée, puisqu'il est évident que si on envoie un équipage sur Mars, il faudra recycler l'eau. Donc ça demande aussi une maîtrise de technologie permettant de produire une eau de qualité parfaitement maîtrisée. Ces travaux, ils ont été compris au début de ce siècle. La technologie, elle est considérée comme aboutie par l'Agence spatiale européenne. Elle n'a jamais été spatialisée, je tiens à le dire. Par contre, elle a été mise en application depuis 2005 sur la station de recherche franco-italienne Antarctique Concordia. Et depuis 2005, on recycle les eaux grises de cette base de recherche. Et ça ne s'est jamais arrêté. On n'a jamais eu aucun incident technique ou sanitaire. On recycle là-bas les eaux de cuisine, de douche, de lavabo, de lave-linge. Et on les renvoie vers un réseau qui alimente les douches, les lavabos, les lave-linges et aussi la cuisine. Et il faut savoir que la quasi-totalité du personnel technique et scientifique qui est basé sur cette base depuis son ouverture, c'est-à-dire depuis 2005, ça doit être aux alentours de 1500 personnes, boit régulièrement les eaux qui sont retraitées. Donc pour vous dire qu'il n'y a aucune difficulté pour déployer ces technologies. Alors non, j'ai déployé dans l'autre sens. Alors quelques résultats, je ne vais pas m'étendre dessus, ça ce sont tous les résultats qu'on a obtenus puisqu'on suit toujours avec Firmus le fonctionnement de ce qui se passe en Antarctique pour démontrer la qualité d'eau qui est obtenue. Alors des résultats, c'est important, bien que ça soit en Antarctique, on nous a toujours opposé le fait que c'était loin, que c'était pas facile. Quand je suis rentré avec Firmus, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je pensais que c'était tellement évident de déployer cette technologie que tout le monde allait le faire, mais on s'est heurté à de la réglementation, je vais y revenir. On est allé devant l'ANSES qui a écrit son livre blanc sur le recyclage des eaux grises. On est cité avec nos partenaires comme Michel Reynès qui sont ici pour leur démontrer l'efficacité qui n'est pas remise en cause. Donc on a choisi de faire une démonstration sur un hôtel. On pensait le faire en France avec le groupe Accor, mais ils ont eu des résistances. Donc on s'est redéployé sur un hôtel qui fait partie aussi du groupe Accor, qui est le Fairmont de Monte Carlo. Et on a mis en place un démonstrateur pendant une année connecté à quatre chambres qui fonctionnait en automatique. L'objectif étant simplement de démontrer l'efficacité du procédé et la qualité de l'eau qui était produite, qui a été suivie par les autorités sanitaires de la principauté. Les eaux grises étaient traitées, elles étaient renvoyées vers le condenseur de vapeur de la chaufferie. Alors il faut savoir que les hôtels, c'est une cible intéressante pour nous, notamment les hôtels haut de gamme, parce que les réseaux sont déjà séparés dans les hôtels, notamment pour la collecte des eaux grises, ce qui n'est pas toujours le cas sur les bâtiments existants. Donc voilà les résultats, je ne m'étendrai pas, je pense que la présentation sera diffusée, des analyses d'eau qu'on a fait au cours de cette période, qui étaient donc suivies et faites par les autorités sanitaires de la principauté. Fort de ces résultats, on a décidé de se déployer sur trois secteurs d'activité qui sont directement impactés par l'activité touristique, à savoir les hôtels, les bâtiments collectifs, les piscines, centres aquatiques et les blanchisseries. Chacun correspondant à une réglementation française spécifique. Alors, jusqu'à ce jour, à l'heure actuelle, il n'est pas autorisé d'utiliser du recyclage d'eau grise, des eaux grises recyclées, pour l'alimentation des chasses d'eau ou d'autres usages à l'intérieur d'un bâtiment. Il faut passer par un système de dérogation. Normalement, un décret doit sortir au cours de l'été. Il est basé sur des retours d'expérience dont on a fait partie avec d'autres applications que je vais vous montrer. Pour les piscines et les centres aquatiques, la réglementation a évolué, elle est à l'application depuis 2022 et en respectant le cadre réglementaire, on a la possibilité de recycler une grande partie des eaux qui sont utilisées pour les piscines et sachant que nous on conserve les calories, on permet aussi d'économiser de l'eau et de l'énergie. Les blanchisseries, il n'y a pas de réglementation spécifique, même si à l'heure actuelle, compte tenu du dernier décret qui est sorti sur la REUT, il y a une ambiguïté à lever qui va être faite, je pense, au cours de l'année concernant la possibilité de laver du linge à partir d'eau usée, traitée
en sortie de stations d'épuration, mais elles sont collectives et nous, on intervient dans des blanchisseries. On a une installation qui tourne en industrie. Depuis octobre, on intervient à l'intérieur de la blanchisserie. Donc, quelques résultats, puisque nos technologies, elles fonctionnent. Alors, un résultat qui a été très important pour nous, depuis l'édition 2020, on recycle les eaux de douche des vestiaires d'entraînement du tournoi de Roland-Garros à la demande de la Fédération française de tennis. Notre client, c'est GL Events qui organise cet événement. Ça se déroule sur 3 semaines. Donc, on collecte les eaux de douche, côté homme et côté femme, on les traite et on les renvoie vers les cuvettes des WC. Il a fallu pour cela qu'on demande une dérogation auprès des ARS de la ville de Paris, qu'on a obtenue, qu'on obtienne tous les ans, et elle est liée à la transmission d'analyse chaque semaine des eaux à l'entrée de notre procédé, en sortie et au point d'usage. C'est une opération assez intéressante pour nous parce que ça nous a permis de montrer notre technologie au ministère de la Santé, aux ARS, au CSTB, à l'Agence spatiale européenne. Donc, moyennant des passes, on arrive à faire visiter cette installation. Bon, comme on a un pied à Monaco, on a aussi recyclé pendant toute l'expo universelle Dubaï 2020, qui en fait s'est déroulée en 2021 pour des raisons de Covid, les eaux grises du pavillon. Et à l'heure actuelle, on a une installation qui tourne au musée océanographique de Monaco, où on recycle les eaux des lavabos, des sanitaires qui se trouvent sur la terrasse, pour les renvoyer vers les chasses d'eau. Et ça, c'est autorisé par les autorités sanitaires monégasques. Alors, pardon. On recycle aussi depuis juin dernier la totalité des eaux de la piscine du Yacht Club de Monaco. Donc ça a été mis en service. Mais il n'y a aucun souci. Donc les éminents membres du Yacht Club de Monaco se baignent depuis juin dans des eaux recyclées, sans aucune difficulté. C'est bien entendu suivi de près par les autorités sanitaires de la principauté. Donc c'est un savoir-faire qu'on maîtrise parfaitement. On a un procédé qui fonctionne à la Moza Ballet School, qui est une école de danse à Liège, qui a été mis en septembre 2023. Où là, on collecte des eaux de douche pour les renvoyer vers les cuvettes des WC. Et on a un procédé qui fonctionne sur une blanchisserie industrielle d'un grand groupe français depuis octobre 2023. Donc voilà. Alors, je vous expliquais que c'était une technologie qui était issue de travaux de recherche pour l'Agence spatiale européenne. Donc l'Agence spatiale européenne communique sur toutes nos applications. Et je vais me faire le plaisir de laisser la parole à quelqu'un que vous connaissez bien, qui parle beaucoup mieux que moi de cette technologie, puisqu'il la met en avant, sachant qu'on rentre aussi dans le cadre des objectifs, des 17 objectifs des Nations Unies, notamment l'objectif 6 qui concerne l'eau et l'assainissement. Tout à fait. Alors, pardon, j'ai oublié. Les réalisations à venir, nous, dans notre communication, on parle toujours de nos projets qui sont concrets, qui ont été signés. Par contre, voilà les réalisations qui vont venir. Bon, on va installer un appareil de petite gamme Home Station sur la Vela Belgica, qui est le siège de l'Union des banques suisses à Monaco, le mois prochain, au Conseil national de Monaco aussi le mois prochain. C'est des appareils domestiques de notre gamme. On va recycler les eaux de la piscine, c'est pas Gilbert Brustus, elle s'appelle Arlette Franco, je crois, le nom, à Perpignan. Donc ça sera mis en service à l'automne prochain. On a obtenu le projet de la cité Opalescence à Montpellier. Donc là, on en est au début, puisqu'ils en sont aux fondations. Donc ça sera mis en service en 2025, mais le projet est signé. On a aussi signé la rénovation d'un bâtiment à Monaco, le Schulkill, et le bâtiment Bel Air à Monaco. Alors le bâtiment Schulkill, c'est un bâtiment privé de 25 étages, et le bâtiment Bel Air, c'est un bâtiment qui est en cours de reconstruction à Monaco. Et je vais donc maintenant laisser la parole à quelqu'un que vous connaissez bien, en espérant que ça va marcher. On se doute peut-être, non ? On a un petit doute. Hello, my name is Thomas Pesquet. I'm an astronaut on board the International Space Station. You may have noticed that my Alpha Mission patch has 17 colored slots around the edge. Each of these represents one of the Sustainable Development Goals of the United Nations. The SDGs are a collection of global goals to achieve a better and more sustainable future for all by the end of this decade. Today, I want to show you how the water recycling technologies designed for deep space exploration missions through MELISSA are contributing to SDG number 6, clean water and sanitation. I'll try to give you examples of how and where space technology is helping people on Earth, and then I'll take you to my favorite place on ISS.
one Melissa technology called the Full Firmus Grey Water Recycling System recycles water from sinks, showers, laundry, dirty dishes, and more. This system has been tested in a remote and hostile environment, much like outer space, Antarctica, since 2005. At the Concordia Research Station, it produces up to 2,800 liters of recycled water per day. The very same space technology supports the famous tennis tournament, the French Open. At the stadium, water from the showers is recycled to flush the locker room toilets. In 2020, they saved more than 23 cubic meters of drinkable water that would have otherwise been used to flush the toilets. The system will be used again in 2021 and 2022. Voilà. C'est un beau témoignage. C'est un beau... Mais ça me fait toujours plaisir. On travaille en relation étroite avec l'Agence spatiale européenne. Et quand Thomas Pesquet est parti en mission, il m'avait dit on te fera une petite surprise. Et donc c'est une belle surprise que j'utilise parce que c'est quand même un bon communicant. Et puis oui. Ça montre vraiment qu'il y a une vraie traçabilité sur notre technologie. Une belle vitrine, effectivement. Et on peut leur faire confiance parce que là-bas, il n'y a pas d'alternative. En tout cas, il n'y en aura pas pour l'eau. Donc c'est intéressant. Merci beaucoup. Et on imagine l'effet boule de neige, chaque projet, en entraînant un autre aussi avec la force de l'exemple. Merci à vous. Et on va voir aussi toujours dans le côté innovation avec vous, Emmanuel Bobin. Vous êtes à la tête d'une agence innovation dans le tourisme. Quel type de service vous proposez aux professionnels? Merci. Bonjour à tous. Donc Open Tourism Lab, peut-être pour qualifier en deux mots. Donc effectivement, on est verticalisé sur l'innovation dans le tourisme, mais grâce aux exemples de mon voisin, on voit bien que dans le tourisme, c'est un mot, mais c'est un écosystème très très riche de cas d'exemple. On a vu, il peut y avoir l'événementiel à Roland-Garros, il peut y avoir de l'hôtellerie de plein air, plein de choses. Et en fait, ces écosystèmes, ils ne se parlent pas nécessairement. Donc, certes, une verticalisation, mais plein de cas d'usage. Et je dirais qu'on est une usine à cas d'usage. Et c'est ça qui est intéressant, en tout cas, dans ces rencontres-là. C'est de voir comment, justement, les enjeux de l'eau aussi doivent s'adapter à ces cas d'usage-là. La deuxième chose pour qualifier Open Tourism Labs, donc on est une structure associative en Occitanie avec une particularité, c'est qu'on a une parité publique-privée à part égale et notre vice-présidente, et aussi, on l'a vu en image tout à l'heure, c'est Muriel Abadi, la vice-présidente au tourisme à la région Occitanie. Voilà, donc nos métiers, très, très rapidement, donc des métiers de conseil, comment on démarre une stratégie d'innovation. Alors l'innovation, nous, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle est plurielle, ce n'est pas que l'innovation technologique, donc ça, on pourra en reparler après si vous voulez. La deuxième chose, c'est au-delà de la stratégie, il faut être dans des phases opérationnelles, donc c'est innover, co-designer, co-développer, expérimenter, voilà. Et puis après, il y a le rôle aussi, c'est le bon exemple, c'est comment on crée des interconnexions entre des écosystèmes différents, tourisme, eau. Voilà, c'est pas nécessairement évident et c'est là où, en tout cas, le bienfait de cet après-midi. Alors, je vais plutôt, moi, illustrer par rapport à des exemples, des projets qu'on a en cours. Donc, ça fait plus d'un an, d'ailleurs, avec si on part de gauche à droite, et je vais venir en illustration de chacun de ces projets. Mais en tout cas, voilà, j'en parlais du premier, Tourism Tech for Good. C'est avec la région Occitanie, on y travaille depuis un an et demi. Donc ça y est, c'est démarré pour trois ans. Trois ans pour avoir maquetté tout un dispositif qui va s'occuper des solutions impact pour le tourisme. Alors impact, là, évidemment, on peut parler de l'eau, puisque c'est le sujet, mais nous, il y a les questions des déchets, les questions aussi de la mobilité décarbonée. Et tout ça, en tout cas, l'esprit, c'est de... Voilà, faire secouer le cocotier pour que, à la fois, face à des cas d'usage, on ait des innovateurs, des start-up, des entreprises innovantes qui puissent, en tout cas, adapter et développer, déployer, en tout cas, ces cas d'usage. Voilà, donc au-delà, donc, j'espère que vous avez compris le positionnement. Donc, nous, on croit, en tout cas, à la théorie du point de rupture. Et dans cette théorie est développée par Gladwell, c'est de dire que c'est plein de petites choses qui vont faire un effet de boule de neige et d'entraînement. Donc le Tourism Tech for Good, c'est ça, c'est un dispositif avec différentes actions. Et c'est ces actions-là, on croit, en tout cas, au changement et à transformer les modèles économiques, les modèles d'exploitation. On a bien vu, et c'est assez schizophrénique dans le tourisme,
Angélica, ouais, mais Angélica nous a cité les chiffres. On a des chiffres en augmentation de croissance. On voit les impacts, toutes les externalités négatives. C'est vrai qu'il y a des moments où on ne dort peut-être pas bien la nuit, on s'arrache un petit peu les cheveux, mais en tout cas, et ça c'est une première en Occitanie, l'Occitanie veut être fer de lance là-dessus, d'avoir un dispositif qui s'attaque à déployer des cas d'usage et des solutions impact pour répondre à ça. Et je parle de notre actualité, donc une des actions que l'on mène en ce moment, c'est un innovaton. L'innovaton, c'est quoi ? C'est qu'on... Alors c'est pour ça que je l'ai mis en route, ah, ça a été décalé, mais on part d'opérateurs du terrain, là entre autres, l'exemple, puisqu'il est sur l'eau, c'est la discussion qu'on a avec la chaîne Yellow Village, ou avec ce qu'on a eu avec le CRTL Occitanie, on parle des enjeux sur l'eau, et à partir de ces défis-là, on vient de recruter des équipes, et ces équipes-là, on les met en résidence pour co-designer, développer en tout cas des solutions qui correspondent aux défis sur lesquels les opérateurs attendent cruellement des réponses. Donc là, on est en plein dedans en ce moment, puisque on a démarré les candidatures en fin d'année 2023. Et pardon, je reviens en arrière, et on aura ces temps de résidence et surtout donc le temps du design sprint qui a lieu dans 10 jours au Gros du Roi. Et si vous voulez en savoir plus, on vous invite au Démo Day qui est le 12 avril, où on verra les 5 équipes qui auront en tout cas planché sur ces défis d'opérateurs. Alors il n'y aura pas que l'eau, il y aura aussi les déchets et la mobilité, en tout cas sur cet innovaton. Mais le dispositif est là et prêt pendant 3 ans. Voilà, si vous voulez discuter, mettre en tout cas qu'on accepte vos défis pour les années suivantes et les mois qui arrivent. Donc on est tout à fait là. Deuxième chose, c'est on est dans un projet européen depuis maintenant un peu plus d'un an, et on est aussi maintenant dans une partie très opérationnelle. Donc on a la chance d'avoir dans l'équipe une doctorante en sciences comportementales. Et là, ce projet-là est justement comment répondre au Green Gap. Vous savez, on a tous des bonnes intentions, mais comment on l'a vu aussi par d'autres exemples, on les met en application, comment on passe donc de l'intention à l'action et comment on va travailler sur les sciences comportementales pour cela. Donc le projet européen dans lequel on est, c'est, si on regarde en bas, alors certes, donc qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on a mis tout en place de l'acculturation, la formation aux sciences comportementales. Tout ça, ça veut dire quoi derrière ? On parle beaucoup de nudge. Et au travers de ces sciences comportementales, des grandes familles de tactiques, des tactiques comportementales, on en a fait un toolbox, une boîte à outils où il y a 30 tactiques comportementales qui viennent adresser là aussi l'eau, mais pas que. Et là où en est le projet aujourd'hui, c'est qu'on devait recruter 20 entreprises PME pour entrer dans le processus, pour pouvoir expérimenter, explorer ces tactiques-là, donc ce qu'on a fait sur ce début d'année. Ça y est, les 20 entreprises sont recrutées depuis mi-février, et on est en train de les former, est-ce qu'elles puissent adopter ces tactiques, et on va être pendant un an en phase, en tout cas, d'expérimentation, d'observation. Voilà, donc ça, c'est passionnant. On se régale, parce qu'effectivement, on peut évidemment... Il faut attaquer les choses par les deux bouts, il faut évidemment mesurer, il faut contrôler les consommations, mais il faut agir sur les comportements, et en tout cas sur les artefacts comportementaux, il y a encore beaucoup de choses à dire, à faire, on va évoquer tout à l'heure, et à apprendre. Voilà. Donc là-dessus, on se régale, et puis dernier point, c'est mon troisième illustration, on accompagne des entreprises, parce que qui dit agence d'innovation, on est évidemment, c'est notre nature même et notre histoire de départ. On accompagne des start-up, certaines sont présentes en tout cas sur ce salon, je pense à Aquatech Innovation. Alors pourquoi ces trois exemples ? Parce que évidemment, là aussi dans le tourisme, j'ai expliqué les différents écosystèmes filières, mais il y a aussi une autre dimension, c'est l'échelle. Donc dans le tourisme, on peut parler de territoire, on peut parler d'infrastructure, on peut parler d'établissement. Ben voilà, ces trois startups, en tout cas, répondent à ces trois échelles. Je parle de Murmuration, qui est une startup toulousaine, hein, qui emploie la data satellitaire pour modéliser, en tout cas, des modèles, pour voir, évidemment, la qualité de l'eau, ou sur l'eau, par exemple, sur les questions de recul du trait de côte. Aquatech Innovation, donc on est sur le traitement aussi, donc la déso grise qui intervient beaucoup sur les questions d'infrastructure, et l'UniWave qui lui aussi, donc là c'est sur des artefacts comportementaux, surtout donc sur les consommations d'eau sanitaire, des douches, et par la gamification, c'est comment par la gamification on sensibilise le consommateur. Et là c'est, en tout cas c'est son POC, ce prototypage s'est fait dans le monde de l'hôtellerie.
il fait partie des candidats qui ont été recrutés sur l'Innovaton, en tout cas pour aussi adapter ça aux questions du camping et rentrer un peu plus dans le programme de comportement, rentrer plus dans le programme de fidélisation. Voilà. Donc il y a encore des solutions qui arrivent et qui sont là très bientôt. On a pris un petit peu de retard, mais on vous a promis un temps de questions. Donc s'il y a des questions dans le public, évidemment, elles sont les bienvenues et on est à votre disposition pour y répondre, parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est vrai que quand on est nombreux, c'est à la fois très riche, il y a beaucoup de contenu, et un peu frustrant parce qu'on a un petit peu moins de temps pour échanger. Mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Vous avez été parfaitement complet. Je crois. Bon, en tout cas, l'idée, c'est de créer des connexions, et on l'a bien vu, de créer des idées. Il y a de la recherche, il y a de la technologie, il y a des bonnes pratiques, des labels. Bref, il y a des solutions. Elles sont à portée de main et le secteur du tourisme en a bien besoin. Donc, c'est la fin de cette conférence. Merci à vous sept de l'avoir fait vivre et de nous avoir un peu basculé vers un avenir, vers un tourisme plus durable avec des idées concrètes pour faire bouger les comportements. Et c'est également la fin de ce grand cycle de conférences sur le Salon Cyclo Toulouse Occitanie. Nous avons parcouru beaucoup de thématiques passionnantes sur deux jours. Jean-Michel Clerc en a rappelé certaines, puisqu'il a assisté à plein de moments, et merci. Merci à tous les intervenants depuis deux jours d'avoir enrichi les débats. Je vous rappelle que toutes ces conférences ont été filmées, et donc vous pourrez les retrouver dans quelques jours. Vous aurez le temps de creuser, de passer du temps sur les slides, si vous le souhaitez, sur la chaîne YouTube de Cyclo. Cyclo. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à mettre sur pied, à préparer, à coordonner ces temps d'échange. Merci à tous les partenaires pilotes des différentes thématiques, la région Occitanie, Toulouse Métropole, la CACG, la FRTP, Réseau 31, ADOC et bien sûr l'Agence de l'eau. Merci à l'excellente Caroline Braun qui est en régie derrière et qui gère tout cela de main de maître et qui s'assure, on l'entend, des applaudissements pour elle, que vous ayez toujours de quoi entendre et écouter. Merci aussi aux turbulentes équipes, mais très professionnelles de Lumens pour le décor, la lumière, le son. Et enfin, de mon côté, j'ai été ravie de vous accompagner et d'animer ces temps d'échange qui ont été, comme toujours, passionnants. Merci à Jean-Claude Lasserre de l'association Cyclo, président, pour la confiance, et à toute l'équipe pour l'organisation de ce salon. On peut les remercier. Et rendez-vous à Cyclo Hauts-de-France à Douai les 29 et 30 mai prochains. Merci à vous. Oui.